C'est porte ouverte pour la troisième phase du 11 de la gare. Projet du groupe Corum, des unités entre une à trois chambres à coucher, au-dessus de 120 unités, en fait, très, très bien situées, en plein cœur de Vaudreuil-Dorion. Qu'est-ce qu'on peut voir en fin de semaine? C'est effectivement, c'est le début de Visite Libre à travers les 8 projets du groupe Corum. Donc aujourd'hui, au 11 de la gare, on est fiers d'annoncer 4 condos modèles, dont 2 qu'on vient tout juste d'aménager dans la tour numéro 5, qui est un immeuble avec ascenseur, stationnement intérieur, structure d'acier et béton. Les 2 condos qui sont décorés par Jennifer Bianca Clermont, qui est une grande designer, qu'on a travaillé avec elle. Un excellent résultat, des beaux condos à visiter. Déjà, on a plusieurs visiteurs aujourd'hui. Puis vous pouvez avoir d'informations dans notre pavillon des ventes aussi. À quoi est-ce que je peux m'attendre de plus, peut-être, dans ces unités-là de différents? Les unités du 11 de la gare, c'est quand même des unités qui sont plus grandes que la moyenne. Okay? On est en banlieue, donc Vaudreuil-Dorion. Beaucoup des clients qu'on a vendent leur maison, déménagent en condo. On ne peut pas passer à un condo de 800 pieds carrés de chambre. Donc, c'est vraiment notre moyenne est beaucoup plus grande. C'est dans le 1100 pieds carrés moyen, 1200 pieds carrés. Plus de stationnement, plus de rangement, plus d'espace. Jennifer, tu es designer d'intérieur. Tu as décoré les 2 unités modèles ici au 11 de la gare. C'est quoi ton inspiration? Mon inspiration, c'était la chaleur. Quand je suis rentrée la première fois ici, ce qui est venu me chercher, c'est vraiment l'éclairage, la luminosité, l'espace. Donc, ça m'inspirait quelque chose de très, très, très convivial, très chaleureux. Cocooning, malgré que je suis allée dans les teintes très pâles, mais je voulais quelque chose de très invitant. Alors, j'ai opté pour des matériaux qui donnent une petite allure chic. Puis en achetant un condo ici, on a aussi accès à plusieurs aires communes. Oui, nous avons la piscine, le gym, des salles communautaires, et un parc pour chiens, un parc pour les enfants. On a des sentiers à l'intérieur du projet. Tout ça d'un aménagement de 450 unités. Le projet, ça fait quelques années qu'il est en construction, donc on est tout juste à la fin. Il nous reste 3 immeubles sur les 11 immeubles du 11 de la gare. Donc, pour les gens qui viennent acheter, c'est bien aussi parce que tous les services ont déjà été mis en place dans le projet.